L'avocat Juan Branco placé en détention à Dakar, au Sénégal. L'avocat franco-espagnol Juan Branco, qui avait pris part à la défense de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, a été arrêté en Mauritanie et inculpé à Dakar. Les chefs d'inculpation incluent des accusations d'attentat, de complot, de diffusion de fausses nouvelles et d'actes mettant en danger la sécurité publique. Juan Branco a été écroué après avoir refusé de s'alimenter et de boire, et il a décidé de garder le silence devant le juge. Ses avocats français dénoncent ces accusations comme visant à faire taire ses actions judiciaires et annoncent une saisine du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. Juan Branco s'était fait connaître au Sénégal en défendant Ousmane Sonko, un opposant au pouvoir engagé dans des confrontations avec la justice depuis 2021. Branco avait également annoncé une plainte en France et une saisine de la Cour pénale internationale contre le président Macky Sall pour crimes contre l'humanité. Cette arrestation survient dans un contexte de tensions politiques et de violences au Sénégal où Ousmane Sonko a lui-même été arrêté et écroué fin juillet. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, à vous abonner, à regarder d'autres vidéos si d'autres sujets vous intéressent. Moi, je vous dis à la prochaine.